Et bonjour à tous, c'est Nicole Ch'ti avec Nicolas, notre pilote sur Forza Horizon 5. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où on reprend un peu l'histoire. J'ai une petite coupure entre le dernier épisode, là où j'ai débloqué le Temple de la Renommée, et où j'ai fait pas mal de choses, notamment les panneaux XP. Ouais, j'ai pas mal joué. Et donc l'avantage, c'est de faire tous les panneaux XP et les panneaux de voyage instantané, c'est de pouvoir voyager instantanément pour zéro crédit. Et ça, c'est ça qui est bon. Et il me reste juste un panneau XP à faire, mais il est au beau milieu du lac et il faut attendre la saison sèche pour pouvoir y accéder. Donc là, ce qui est bien, c'est que on va faire... Alors, ce qu'on va faire, déjà, je vais enlever tout ça. Je vais laisser les panneaux XP et les trucs histoire, comme ça, on le voit. Tac. Voilà, donc, Francky Beaumont, le cascadeur, la star internationale, a besoin de nous. Allons-y. Alors, on peut se... Hop, voyage instantané pour zéro crédit. Au moins, ça évite de faire des cuts dans le montage. Moi, ça me fera moins de travail pour le montage. Et, histoire d'Horizon V10, commençons. Il y a 12 chapitres à faire. On va pas tarder à les faire. Allez, on commence en voiture avec Francky Beaumont. La star internationale a besoin d'aide. Les gens disent que vous lui ressemblez un peu. D'accord, ok. Physiquement ou dans la tête? Waouh, j'ai l'impression de me voir dans un miroir. Ouais, je trouve aussi. Quoi de mieux pour une doublure qu'un sosie parfait? Non, pas trop là, je crois. Pilotage? Monte, on y va. Alors, c'est moi qui conduis. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a ce nouveau film, Vanguard Force 10. Ouais, j'ai vu la bande-annonce. J'avais bien aimé faire les cascades du précédent. Cette fois, le réalisateur veut qu'on réalise toutes nos cascades. Et j'ai du boulot pour arriver à faire ce que t'as fait sur le film précédent. Tu vas devoir faire tes cascades? Waouh. Je vais voir ce qu'on peut faire. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de checkpoint. C'est la technique d'appel contre appel. Apparemment, on a déjà travaillé avec lui, d'après le jeu. Donc là, ça se peut que c'était dans le 4 ou dans le 3, mais comme c'est mon premier Forza, je connais pas leur antécédent. Alors on va essayer d'éviter les cailloux. Au moins, on fait voir comment on fait des cascades. Hop. On passe à travers champ, on arrive à destination sur la route. Ok, on a réussi. Le tournage a déjà commencé. J'impressionnerai jamais Victor Garcia Hernandez. Ni comme pilote, ni comme acteur. Écoute, j'ai une idée. Puisqu'on se ressemble beaucoup, toi et moi, on pourrait rien dire à personne et... Tu te charges du pilotage et moi des répliques. Je pense que ça pourrait marcher. Ah, on va essayer de gruger. Ah là là. Ok, on a les 3 étoiles, c'est cool, on va continuer. Donc là, on est vraiment sur, je pense... Il y avoir des cascades, on va faire des panneaux danger, des figures, tout ça, je pense que c'est un truc comme ça. Donc la suite, qu'est-ce qu'elle a dit? Enfile le costume et fais comme si t'étais moi. D'accord, piloter jusqu'à la prochaine destination. Alors, destination. Ouais, 7 km. Heureusement, on a les TP. Voyage instantané. Bon, moi c'est bien, hein. Moi c'est bien, c'est ces trucs voyage instantané, pas besoin de faire le chemin. Tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'histoire. Scène 15. Extérieur, désert, post-apo, futur chaotique. Gna, descend à toute vitesse pour échapper à Oversight en fracassant des débris. D'accord, allons fracasser des débris. Laisse tomber les dialogues alors, on s'en occupera plus tard. Concentre-toi sur le pilotage. D'accord, Mike. Ça marche. Dean, passe me voir après la prise. Je vais te donner des pastilles ou quelque chose. Alors là, on roule un buggy. Scène 15, séquence de fuite en descente. Action. Ça marche, Victor. Et c'est la toute première scène du film, c'est ça? Pas d'intro. On démarre avec la poursuite?
à retourner sur la route, d'accord. Très bien, Mike. Je suis dans l'hélicoptère. J'ai hâte de voir ce que notre pilote sait faire. C'était Mike Steele. Il coordonne les cascades et Victor Garcia se charge de la réalisation. Je crois qu'il a marché. D'accord, donc notre subterfuge a fonctionné. Alors, je pensais couper à travers champ. C'est nouveau pour toi. Reste le pied au plancher et serre les dents, ok? Pas si nouveau que ça. Alors, je suis sur la route. Hein. Ok, ouais, c'est vraiment, je pense que si je passe à travers, c'est fait exprès pour pas couper à travers. À moins que... À moins que le jeu nous autorise à sortir de la route vraiment... Victor, je sais pas, mais pour moi c'est bon. Faudrait que j'essaye vraiment... Il y a l'hélicoptère et tout qui nous filme. Oui, on est sur la route. Parce que faire ça en 3 minutes, je sais pas si c'est... Si c'est faisable. Hop. Hop. C'est pas comme si c'était... une voiture qui avance pas. Pas grave, on peut couper un peu. Je pense pas que le jeu il soit chiant sur ce point là. Attends, je l'appelle. Nous sommes faits de l'étoffe des rêves, mes amis. Le Mexique est notre toile, la voiture notre pinceau, et Vanguard Force 10 sera notre chef-d'œuvre. En avant, allons-y. Asseoir fond dans le film en tout cas. Là, je m'en sors bien au niveau de la... J'ai commencé à maîtriser ce petit véhicule. Voilà, quand on fait attention, ça passe bien. Ah, il y a peut-être moyen de finir en moins d'une minute. Mais je suis pas sûr. Ah, déjà, il nous met des rambardes comme ça. Il nous autorise un peu à quitter la route. Ah, je vais essayer de... Hop, on va être sur la route d'ici avant les 30 secondes. Ah, je dis ça que je maîtrisais le véhicule et puis je pars en tête à queue. Ouh, je sais pas si c'est faisable en 12 secondes. Ah, on va essayer de passer au milieu. Ouais, non, c'est pas faisable. Mais je pense qu'il y a moyen en... Je pense qu'il y a moyen en descendant la... Il a marché ? La montagne... Ouais, à fond. Ça va le faire. À toute berzingue, vraiment coupé à travers champ. En tout cas, on a changé de coupe de cheveux. Bon, 2 étoiles, c'est pas grave. Je ferai ça de mon côté... De mon côté tout seul. Alors, on va faire la suite. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Le jeu. Mike et son équipe sont prêts pour la prochaine cascade. J'ai filé dans ma caravane pour t'appeler. Victor croit que je me prépare. D'accord. Bah prépare-toi. J'arrive. Je me TP. On va suivre. Gnignac. Ok. Hop. Pour 0 crédit, c'est moins cher que gratuit. Donc on arrive sur place. Et donc on continue. 3e chapitre, scène 23. Donc toujours extérieur, plage futur chaotique. Un véhicule de transport lourd suit la seule route sûre à travers les antennes ravagées avec une voiture indispensable à son bord. Donc le film serait un genre de... C'est la fin du monde. Seul un véhicule peut changer la face du monde. Et vous le transportez. Oula, on entend... Essaye de rester dans la rivière, tempête là, de sable. Et tout droit si possible. Alex, action! C'est la dernière chance d'Alex. Sans ce véhicule, il ne pourra pas activer le portail dimensionnel. Il y aura des explosions et des effets numériques. Mais la vérité, elle est dans ce véhicule, dans ton pilotage. Je veux y croire. Le terrain est pas mal accidenté, mais vas-y, fonce, ça va passer. Alors j'ai recommencé l'épreuve, parce qu'apparemment sur le chemin, il y avait... Il y avait des petits décors à voir, j'avais coupé à travers champ, alors je me suis dit pourquoi pas recommencer, vous voyez il y a des fumigènes là-bas. Bon le jeu nous disait
disait rien. Ah, oh, des petits décors, des petits échafaudages. Alors, on va jouer le jeu. De toute façon, on a 5 minutes, je pense que c'est largement faisable. Au pire, hein, vous pouvez vraiment couper à travers champ, hein, je l'ai fait juste avant. Mais j'essaie de recommencer parce que voilà, les développeurs ont mis quand même des petits décors à gauche à droite. Autant leur faire voir, autant respecter leur travail. Bon, c'est juste des échafaudages, on voit des caméras, des tonneaux, des palettes. Tant qu'on reste à plus de 97 km/h. Voilà, il y a du décor, il y a des avions crachés. Et c'est bon, on arrive. Ah, blême! Cascade! Ah, il ne l'a pas compté. Vite. 5, 4, 3. Ok, c'est bon. Je suis fait peur à la fin. Bon, on a réussi quand même. On a réussi, c'est le principal. Malgré la petite frayeur. Victor est quelqu'un d'exigeant, mais il aime ton pilotage, Franky. On peut passer à la suite? Bah, on passe à la suite, hein. Moi, je vais voir où est-ce que tout cela va nous mener. Scène 25, vol au-dessus d'un nid de cobalt. Action! Maintenant que le ravitaillement est fait, Alex Cobalt doit échapper non pas à des extraterrestres, mais à une fantasmagorie de peur et de doute qui remonte à son enfance. Je sais pas ce que c'est qu'une fantasmagorie, mais j'ai glissé une rallye V8 sous cette carrosserie de CCG. Alors vas-y à fond! Barricade et rampe droit devant! Continue à accélérer! Tu arrives sur un virage serré qui donne sur des lacets. Alors est-ce que c'était un raccourci ce qu'il y avait avant avec les barricades et tout ça? Alors le but du jeu c'est de rester sur la route. Alors j'ai combien de temps pour 30 secondes? Est-ce que j'y arriverai en 30 secondes à revenir sur la route? Ouais, je pense que le jeu il est assez permissif là-dessus. Hop, ok, on est sur la route, de nouveau sur la route. Ça nous fait un sacré raccourci pour faire le dernier kilomètre. Je pense que en fait c'est fait exprès pour faire pour avoir les 3 étoiles. Ok, on va y arriver. Ça c'est bon. Vraiment, on découvre des choses en même temps, donc c'est cool. Et on arrive là, il y a plein de caméras et tout ça. Et bim. Et coupé. Mais où tu as appris à piloter comme ça, Franky? Si tu savais qui était vraiment Franky. Ok, 3 étoiles, nickel, on a réussi. On va continuer. Donc le petit camion Mercedes et le petit V8 là, ça fait plaisir. Dis, j'ai quelques idées d'improvisation. On pourrait tourner une scène sur la plage. Ou autour du cimetière aéronautique. Oh, j'arrive pas à me décider. Tiens, choisis. Bah, on va choisir la plage. Sur la plage? Ok, j'ai quelques prouesses en tête. Alors, la plage. Tournez à gauche. Alors, est-ce que c'est... Ouais, allez, hop, on va... Même si sur la carte... Oh, c'est quand même loin. Pib, non, c'est pas celui-là que je veux. C'est celui-là. 0 crédit, c'est magnifique. Ah, il y a déjà des caméras et tout ça, ici. Je vais voir un petit peu. Caution, filming in progress. Ah d'accord, excellent, ça fait un petit décor pour le mode histoire. Bah scène 35. Oh, allons-y hein. On va pas faire la 35B hein, sinon ça ferait des failles spatio-temporelles. Non, on pourrait le faire mais on va prendre la trame principale de cette histoire horizon. Vas-y, fonce Franky. Donne-moi cette scène. Allez Franky, c'est bon. Vas-y Franky, fonce. Scène d'impro, ruée sur la plage. Action! Il y a des débris sur la plage, évite-les. Et n'approche pas des maisons, sinon les gars devront retirer tout numériquement, image par image. Ok, faut faire des points de prouesse. Ok.
puis on drift, on fait des sauts, on essaie de faire le... Donc là, 2 étoiles, 25 000 points. Hop là, un petit saut, génial, le drift ultra amas. Un petit drift. Ah, j'ai fait 20 000 points, hop là. C'est pas grave. Bravo Superstar. Enfin, tranquille. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, c'est que tu le penses si on faisait une superstar. Hop 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 hop. Bon tant pis, c'est pas grave. On a la... On a atteint les 5000 points nécessaires. Je parle pas trop, je fais mes trucs. Ok, on a fini avec ça. J'apporte les images à Victor. Attends qu'il voit sa superstar. Pardon, sa vedette à l'œil. Et dire que c'est Mike qui prend toutes les... qui prend tous les lauriers à la place de nous. Ouais, je suis à la moitié des 100 000 points. Bon, c'est faisable. Il faudra que je fasse ça de mon côté tout seul. Donc on va continuer l'histoire de la cascade après avoir fait des scènes improvisées. On tourne une autre cascade. Passe me voir quand tu peux. Bah allons-y. Paf, allez. Où est-ce qu'il faut aller ce coup-ci? Hop. Oh, attends, la vache, il fallait remonter tout là-haut. Moi, je suis bien content d'avoir les téléportations pour zéro crédit. Est-ce qu'il y a des... Il y a pas de... Ah si, il y a des caméras autour quand même. Caution, filming in progress. Ok. Bah allons-y, scène 43. J'aurais préféré la scène 42, mais ce sera 43. Tiens, tiens, tiens. Les deux as de l'illusion, la main dans le sac. J'arrive pas à croire que je n'ai pas reconnu ton style plus tôt. Hé, hey Mike, tu tombes bien. Qu'est-ce que tu dis de ce mannequin que m'ont fait les accessoiristes? Hyper réaliste. Laisse tomber, Franky. C'est une super idée, mais si tu ne veux pas que Victor comprenne, tu vas avoir besoin de moi. C'est sympa de t'avoir à mes côtés, Mike. Oh, mais tu parles! Quelle surprise! Allez, en voiture, on a un saut à exécuter. Ah, le poteau rose a été découvert. Et donc... 43, saut volcanique spatio-temporel. Action! D'accord. Mike, t'as bien dit saut volcanique? Te fiche pas de moi, j'ai vu la cérémonie d'ouverture. Vas-y à fond jusqu'au sommet! Ce véhicule de cascade est un modèle Mike Steel, avec moteur et suspension revue. D'accord, donc si c'est si c'est sécurisé, c'est bien. Mais sinon, j'espère que notre personnage a une bonne assurance vie. Bon sang, ça aide d'avoir un vrai pilote au volant. J'ai entendu. Comment il provoque le petit Mike. Non, Franky, pardon. Franky. Ok, on va arriver sur la dernière ligne droite. Pour le saut de la mort qui tue. Allons-y, c'est tout droit, enfin presque. Et yahoo! Ok, je sais pas combien j'ai fait. Et voilà, bon travail, Franky. Génial, bon travail. Ça reste entre nous, hein, ok? Pas la peine d'en parler à Victor. Bah non, ça reste entre nous, on va pas en parler à Victor. Ah, j'ai fait les 3 étoiles, 373 mètres, c'est cool. Bah continuons. Hé, hey, salut! On a une nouvelle scène de cascade à tourner. Passe quand tu peux! Bah tout de suite! Hein, laisse-moi le temps d'ouvrir la carte, de voir où est-ce que tu veux m'emmener et de me TP directement pour zéro crédit. Je sais, je me répète, mais c'est bien, franchement, trop bien. Et continuons, et donc la scène 73. Salut Franky, non, ne dis rien, il faut qu'on préserve ta belle voix glamour. Monte dans la voiture, je t'expliquerai la cascade en chemin. Ah, il y a le truc qui se mettait... Ah, la capote. Scène 68, Docteur Strangegarde. Action!
Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Défie-toi, on approche d'un virage. Ouh là 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 là, c'était quoi ça? Qu'est-ce qu'elle a fait la voiture? Oh, c'était mauvais, je l'accorde. Ok, si vous regardez en bas à gauche, on a un parcours très sinueux et très technique. Surtout s'il y a des voitures. Surtout s'il y a des voitures de la circulation qui se mettent en travers de chemin. Alors pourquoi il y a encore des figurants comme ça sur le chemin? Ok, c'est bon, la maîtrise, la voiture. Ok, encore un virage serré. Traverse ça et conserve ta vitesse. Bon sang, c'est Victor. Pas un mot, vu. Victor? Monsieur Steele, le pilotage de Franky est toujours aussi exceptionnel. Mais comment se fait-il que je vienne de le voir dans sa caravane avec une tasse de thé à la main? C'était un mannequin. C'est ça, un mannequin. Je dois y aller, Victor. Bye! Ah là là! Notre stratagème va être... Hey, j'ai toujours un rôle dans les films que je tourne. J'étais la créature de chasse numéro 2 dans celui qu'on a fait au Royaume-Uni. Celle qui fonçait dans un mur? J'ai adoré cette scène. Très drôle, protagoniste sans dialogue. Allez, avance. Protagoniste sans dialogue. Mais notre stratagème va être découvert. Ah là là, que va-t-il se passer pour Franky? Nous, à la rigueur, vu qu'on a déprouvé, on a démontré notre matière à conduire impeccable. Et j'ai réussi à faire les 3 étoiles. Nous, on craint rien, mais c'est surtout notre petit ami Franky. Bien joué! Oh, je suis content de rebosser avec toi, Franky. Comme tu dis, allez, finissons-en. Ah, est-ce qu'on va dire la vérité à Victor? Ok, 3 étoiles, on va continuer. On avance bien, c'est cool. Donc, je pense que là, la partie avec la Ferrari, c'était partie Street Night. Des trucs techniques. On a un petit problème sur Vanguard. Je suis avec Franky, on t'attend. Bah, laisse-moi le temps d'arriver et de profiter de ma coccinelle buggy. Hop là, on va faire un petit bout de chemin. J'ai vu qu'il n'y avait que 2 km. Comme ça, on profite de la coccinelle. Et puis, j'ai besoin de faire des points de prouesse avec elle en ce moment, avec la saison qui est actuellement. Toutes les semaines, il y a une nouvelle saison et toutes les semaines, on gagne des cadeaux. Enfin, on gagne des cadeaux. Il y a des cadeaux à la clé si on fait assez de points. Donc si je peux faire quelques points de prouesse en passant, je dis pas non. Hop là. On arrive sur place. Alors je sais pas si j'ai laissé ou si j'ai coupé. Et continue l'histoire d'Horizon V10, la scène 95. Et il nous reste 5 chapitres. Ok, on a fait plus de la moitié, c'est cool. Le réalisateur m'a demandé pourquoi je dis pas mes répliques pendant les cascades. T'en fais pas, Franky, je te couvre. Hé, hey, on est bon pour la suite? Ouais? Qu'est-ce que je fais? Scène 95, suite sur l'autoroute. Action! Fais-moi le topo. Quelles sont mes motivations? Bon, c'est une course, grosso modo. Il faut que tu sèmes ton poursuivant. Je vais lui expliquer, Mike. Franky, très bon accent. T'as décidément des talents insoupçonnés. C'est une scène de fuite, bien sûr. Le système de contrôle autoréplicatif veut t'arrêter. Il envoie à des trousses un véhicule de poursuite auquel tu dois échapper. Si ça peut t'aider, imagine que ce véhicule balance tout un tas de répliques hilarantes. C'est peut-être même lui, la véritable star du film. Et c'est toi qui fais sa voix, bien sûr. Alors, je sais plus ce que je disais, ça m'a coupé... Ça m'a coupé de ce que je disais. Donc, bah, nouvelle scène d'action. Ah oui, voilà. Je disais, en tout cas, ce film, il a un budget
voiture très conséquent parce que qu'est-ce qu'on roule. Ah, par contre, cette genre de voiture sur la piste sur Terre, c'est pas très génial. Bon, ça va. Parce que moi, je voulais l'autoroute. Hein. Moi, c'était tout droit l'autoroute. En tout cas, là. La voiture en face, elle nous a mis... Ouais, voilà. Bon, bah, on va recommencer. Ouais, cette voiture, c'est la Koenigsegg, hein, je crois. Sur Terre, c'est pas fameux, ça. Bon, allez, après plusieurs essais, on s'en sort. Boum. Bien joué, ça va vraiment bien rendre. C'est dans la boîte, il reste une dernière scène de cascade à faire, je t'appelle quand on est prêt. Bah d'accord, ok. Encore de la cascade, de la course-poursuite, 3 étoiles. C'est magnifique. Bon, j'ai mis pas mal d'essais avant de le faire. Il y a une astuce où il faut pas freiner à un moment parce qu'il y a des barrières qui sont indestructibles et qu'on peut le passer comme ça, sinon... Hey. Si on fait une conduite prudente, c'est vraiment, vraiment chaud quand même. Près du télescope. D'accord, ah ouais, c'est vachement loin. Mais on a les TP gratuits. Autant en profiter. Oui, je sais, je me répète. Donc on arrive sur place, il y a toujours les décors film en progression. Et donc on est à l'avant, la dernière. Scène 107. Moi, ce qui est bien là, c'est que j'ai fait pas mal de 3 étoiles. Sur toute le. Ok, c'est la dernière cascade qu'on va tourner. Sur toute l'horizon histoire. Ça devrait être simple. Ça devrait être simple. Oui, ça devrait être simple. Donc j'aurais pas besoin de revenir. 707, tête de cascade du télescope. Action. Alors. Ok, on a foncez jusqu'à la destination finale. Essaye d'arriver à destination le plus vite possible. D'accord, c'est des trucs où on peut pas couper parce que c'est voilà, ces trucs comme ça. Bon, ça va être la montagne, il faut aller jusqu'au télescope. Bon, ça va, la voiture elle est pas rapide. Donc les virages devraient pas être trop chiants normalement. Bah, je dis ça puis bien sûr voilà, je me plante. C'est pas grave. Il y a le rembobinage. Ok, on est mieux comme ça sur la terre. Sur la route, pardon, pas sur la terre. Par contre, tourne pas trop. Hein. J'ai du mal à tourner un peu en vitesse. Hein. Rendez-vous à la prochaine destination. Alors, toujours avec ces musiques. Ces musiques mode streamer, elles sont pas fameuses. Hein, je suis désolé pour ça, j'aurais préféré vraiment de la musique plus entraînante. Parce que quand je joue de mon côté seul, il faut le dire, la musique, il y en a 2-3 qui me plaisent. Passé, présent et avenir. Les messages et les thèmes de tous les films se mêlent en un inextricable entrelac. Oublie toutes ces histoires de passé et de présent. On filme en vitesse avant qu'ils nous démasquent. Waouh, on n'est pas encore démasqué. Mais c'est vrai que Victor, il a ses soupçons. Et donc, je disais, j'en ai déjà enregistré 2-3 dans mes playlists perso de ces musiques-là. Dans 100 mètres, et franchement, j'aime. Certaines musiques, elles sont super. Normalement, vous recherchez... sur YouTube OST Forza Horizon 5 hein. Et il y a déjà les playlists par radio, donc il y a des radios bon, moi je regarde, j'écoute plus la radio électro et l'autre c'était plus rock, donc voilà. Après le reste, ça m'intéresse. Ce genre de musique là qui passe derrière, ça m'intéresse vraiment pas quoi. Ah, il fallait faire demi-tour. Ah, c'est quoi cette arnaque là, n'empêche. La méga arnaque, elle n'empêche. Aïe 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 aïe. Alors je comprends pas, c'était quoi l'arnaque là? C'est un bug, c'est...
Alors je vais remonter au plus loin possible. Reprendre ici. Faites demi-tour dès que possible. Ouais, pourtant on était bon hein. Ah si on. Ah ouais d'accord. Ok, en fait il fallait couper par là. Si je me prends tous les cailloux du monde. Ok, bah je serai pour le 3 étoiles. D'accord, le jeu a essayé de nous la faire à l'envers. Mais ça va. On est sur le droit chemin. Bon, j'aurai pas les 3 étoiles. Bon, c'est pas grave. Et je pense pas qu'on puisse couper à travers Montagne avec cette voiture. On est presque arrivé. Encore un petit effort. Déjà, elle a pas de puissance et puis elle glisse trop sur la route. Et on arrive et voilà, au télescope. Coupé, on la garde. Les scènes de cascade de Vanguard Force 10 sont bouclées. Maintenant, c'est à Victor et au monteur de jouer. Oh, c'est pas le genre de réalisateur à changer d'avis. Ou demander des reshoots, ce genre de choses, quoi. Ouais, mais vu qu'on n'a pas fini tous les chapitres, je pense qu'il va y avoir des reshoots. Je mettrai ma main à couper. Enfin, presque, hein. Virtuellement. Mike est en train de péter un câble. Une histoire de placement de produit. Ah. Tu peux venir ? Voilà. Du calme, Francky, j'arrive. Il y a des trucs en plus. Ouf, tout en bas. Pif. Hop. Téléportation. On arrive sur place. Hop. Continuer. Et scène 103. Ah, on fait des reshoots parce qu'on revient en arrière. C'est une nouvelle scène. Apparemment, on va profiter de la présence d'un grand événement culturel pour ancrer l'histoire dans la réalité. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Monte dans la voiture, je vais t'expliquer. Ah, l'événement, ça serait pas au horizon, des fois ? Ah, donc c'est pas un reshoot, hein, c'est une nouvelle scène, une scène supplémentaire. Scène 103, machin au festival. Mais la gomme, tu traverses le festival en prenant bien tous les sauts. Apparemment, on doit se retrouver au beau milieu d'une course à un truc comme ça. Lui, dites à Scott de ne pas se planter sur son deck cette fois. Hein ? Le festival va être dans le film ? Et Scott Tyler donne la réplique ? C'est ça, par là ! Prends vers la rampe ! Envoyez les pilotes ! Envoyez Scott ! Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui traverse le festival à fond ? Oh, c'est complètement imprévu ! C'est génial ! Je suis Scott Tyler ! On lui a dit d'écrire ses répliques. C'est parti ! Y'a des caisses à contresens, fais gaffe ! C'était moins une. Et maintenant, c'est de l'impro, là. Ok, on est total impro. Apparemment, c'est du n'importe quoi. Ils veulent placer le Festival Horizon en placement de produit. Ouf, ça, c'était mauvais. Ok, hop. La petite épingle à cheveux. Apparemment, il y a une histoire de radar, parce que je joue à 161... kilomètre heure. Victor voulait que Franky pilote ça. Ouais bah déjà que j'ai du mal là moi avec la route qui glisse. Arrête de glisser la voiture, merci. Ouais, est-ce qu'on va. Ouais, la Koenigsegg elle bourre pas mal hein, n'empêche, la Falagesco. Je pense qu'on va voir les 3 étoiles. Bloom. Et voilà, il devrait être content avec ça, non ? Bon, c'était pas la course la plus parfaite du monde. Parce que moi j'ai la Gesco comme ça. Mais je trouve que. Ouh, même pas ! Ah, il me manque 5 km/h. Bon, c'est pas grave. Et je trouve que comment je l'ai. Enfin, j'ai trouvé un réglage, elle tient beaucoup mieux la route. Que ce que nous propose le jeu ici. C'est bon, on remet ça. Pointe-toi dès que tu peux. Encore une cascade ? J'arrive tout de suite. Ouais, on aime les cascades. Hop. Téléportation. Ah, là je vois la route que j'aime bien, une autoroute que j'aime bien, donc j'espère que ça va être ça. Ok, on arrive sur place. Appuyons sur X. Et scène 117. Salut. Bon, je viens d'avoir le réalisateur au téléphone, il lui faut une dernière cascade. Et pas une petite.
Il veut que je saute par-dessus la baie avec un avion cargo collé à mes basques. Oula. Et il y a des dialogues tout du long, donc pas de doublure ici. Je crois qu'il est temps qu'on dise tout à Victor. Attends, on peut pas changer de pilote, mais si on changeait de voiture? Avec une en stand-by dans le tunnel. Bon, j'ai besoin d'accessoires et d'une autre voiture vedette. Est-ce qu'on en a une deuxième? Quoi, la voiture de rechange? Mais je m'en fiche, amenez-la sur le pont. Allez, on recommence ce coup-ci sans prendre de dégâts. Faut que j'arrête de me gratter le nez pendant que je joue. Et tu prends le relais au niveau du tunnel. Allez, on se concentre. On va y arriver, Frankie. Roule. Tranquillement. Frankie, l'heure est venue. Nous allons boucler la boucle, fusionner les dimensions, métamorphoser ce conflit en art. J'ai un très mauvais pressentiment. Ouais. T'es en proie à un conflit intérieur. Un peu comme si un autre Alex Cobalt luttait pour prendre le contrôle. Tu crois? Et... réplique! Je suis pas certain d'y arriver. Ok, bon, on a réussi. On a pas frotté. On n'a pas abîmé la voiture. Mais je pense qu'il y a une deuxième étape à côté. Vas-y, fonce! Je peux pas jouer et piloter en même temps. L'avion est prêt à partir, à l'aérodrome. Go, go, go! La voiture a du répondant. C'est le modèle ultra puissant que voulait Victor. Mais on ne s'en est jamais servi. Bon courage! Ce truc envoie! Donc, je recommence. Parce que... Il y a un élément à la fin de la piste qui... qui à cause du rembobinage et d'un mauvais pilotage n'a pas été pris en compte, donc on recommence. Tu crois que tu peux nous improviser quelque chose? Je dois retourner dans le futur. Ouais, très bien. Tu captures ce conflit à la perfection. Ouais. La route, là où on va, n'a pas besoin. Donc, alors faire très attention. Ici, pas aller trop vite. Ok, on est bon. Allez. On suit l'avion cargo. Bah, l'avion, il est assez loin. Donc c'est cool. Et on va faire... Ah, petit bug graphique. 748 mètres. C'est une bonne distance. Tu as réussi, on a réussi. On a vraiment réussi. Excellent tous les deux. Impossible de dire la différence. Beau boulot, conduite parfaite et le jeu d'acteur était, disons, correct. Oh, pauvre Franky, il s'en prend pas les dents. Ah, t'es sérieux? Ah. J'ai même pas fait les 3 étoiles à 748 mètres. Bon, c'est pas grave. Allez, il reste plus grand chose normalement. C'est bon, on remet ça. Pointe-toi dès que tu peux. Ok. Encore une cascade ? J'arrive tout de suite. Hop, j'arrive tout de suite en me téléportant. Voyage instantané. Donc toujours ici à côté des panneaux. Attention, ça tourne. Et bah c'est la scène post-crédit, hein, extérieur désert, période inconnue. Le paradoxe de dualité a pris le dessus sur Alex Cobalt. Une réalité parallèle a été créée, donnant naissance à deux Alex Cobalt. D'accord, ok. Donc on va se retrouver face à face avec Franky. Je suppose. Vu que ça a l'air d'être un scénario à la Marvel. Bon, c'est une scène post-générique et si j'en crois la feuille de service, Victor veut... vous deux. Nous deux? Mais il sait pas que j'existe, si? Bah, elle était au courant depuis le début, je suppose. Oh, c'est quoi ces voitures? 721A, les deux Alex! Action! Hé, hey, si on y allait pour de vrai cette fois? Bonne idée. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée! Voilà, c'est ce pourquoi nous avons tous travaillé. Le moi profond a émergé des abysses. Le conflit a pris corps. Le résultat est si vilain. C'est ma plus grande réussite. Oh, il nous a bien eu. Ah ouais, il était au courant, il était au courant depuis le début. Quel malin ce Victor. Ah là là là. Donc on fait la course
contre notre ami Franky, hein, je suppose. Bah non. Quand je dis je suppose, c'est notre ami, je suppose, mais vu depuis le début, on se prend pas la tête. Hein. C'est pas comme El Forzado ou El Campeón, où on s'était fait des ennemis. Des ennemis, entre guillemets, hein, non plus, hein, faut pas exagérer. Hop. On est chemin de sable. Alors, j'arriverai pas à faire ça en moins d'une minute dix. C'est pas grave. Hop. Coupé, elle est bonne. Ouais, je suis à 1 minute 12. Définitivement dans la boîte. Victor veut que je participe au remake de C'était un rendez-vous. Il a vu ce qu'on a fait à Édimbourg. C'est une occasion en or. Et c'est grâce à toi. Bah, tu sais quoi, ravi de t'avoir pu... C'est des jumeaux qui combattent le crime? Au volant? Ouais, je marche. Raconte la suite. J'imagine que... Donc je suis ravi de t'avoir aidé dans ta carrière cinématographique. Bah continuons, pouf. Et on a fini avec cette histoire V10 de Cascade en folie. Donc, plus rien, il n'y a plus rien qui va nous dire. Non, il n'y a rien qui est dit. Donc moi, de mon côté, c'était les... Je voulais dans les distinctions... Histoire, bon, j'ai un cadeau en plus, donc on va le chercher, c'était V10. Donc on a costume de Franky Beaumont. On le prend. Et donc il nous restera à faire la scène 35B et à obtenir les 3 étoiles dans tous les chapitres de la V10 pour débloquer la GESCO, la IESCO, Koenigsegg, bon la GESCO. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Tout plein de liens dans la description. Des bisous et à bientôt.